C'est un tout petit vignoble, la Vaux. On est coincé entre Lausanne et Montreux. C'est une goutte d'eau dans l'immensité des vignobles du monde. On dit dans la région, on a trois soleils. Le soleil qu'on a naturellement, la réverbération du soleil dans le lac, les murs de pierre, parce qu'on est dans un vignoble en terrasse, ça c'est exceptionnel. Et bien les pierres redonnent la chaleur la nuit. On cultive essentiellement du chasselas, qui fondamentalement dans le reste du monde est un raisin de table. C'est le seul endroit où on arrive à le vinifier pour en faire un vin fin et extrêmement intéressant. Le vin, c'est convivial. Ça, c'est vraiment important. Moi, je ne bois jamais seul à la maison. Jamais. Moi, j'ai besoin de partager. Les souvenirs que j'ai, ils sont humains, en fait. C'est des belles soirées de vendange. Des belles têtes toutes les cuves, on se posait au carnet de serre. Puis là, on a fait des belles nuits. La tradition, elle est là. J'ai fait des transformations dans cette cave, ce lieu d'accueil. Certes, c'est moderne, mais si on observe bien, les marques du grand-père, de l'arrière-grand-père, de mon père, elles sont là. Derrière chaque vin, il y a un personnage. Derrière chaque vin. Mon vin, c'est moi. Les vinifications, la culture de la vigne aussi, elle est en fonction de ce que je ressens, et de ce que je fais, de qui je suis.